Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo Funko Pop, ça faisait très longtemps que j'en avais pas faite, mais j'ai attendu et là, il y en a une tonne. Alors la première partie de cette vidéo sera consacrée à l'univers plutôt enfant, tout ça. La deuxième partie sera consacrée à des Funko Pop un peu plus horrifiques, on va dire. Je préviens les personnes qui n'aiment pas les clowns ou les monstres. Je vous dirai à quel moment je mettrai les pop un petit peu plus effrayantes si vous avez peur, comme ça vous pouvez couper à ce moment-là. Allez, on va commencer par un univers dessin animé, Nickelodeon. J'ai déjà fait une vidéo avec eux, les Razmoquettes. J'avais présenté deux figurines et là, j'ai décidé d'acheter Reptar. Alors, j'ai craqué pour l'exclusive. Il y en avait deux d'exclusives, il y en avait une autre, c'était une Glow in the Dark, il me semble. Mais il n'y avait pas le bol de céréales. Je crois, je suis pas sûr, mais dans ma doll hunting que je vous montrerai, j'ai filmé en détail. Donc c'est la 227. Et normalement le Reptar, il est comme ça. Alors maintenant, je vais ouvrir par le dessous. Bah ça évite d'abîmer le dessus de la boîte. Alors regardez la tête déjà, elle est très bien réalisée. Il a les yeux rouges, un peu orangés. J'adore la mâchoire. Je vous montre l'arrière de la figurine. Alors celle-ci, je la trouve vraiment très bien réalisée, mis à part une petite tache là. Alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est très discret. C'est de la peinture de la crête. Alors il tient une petite cuillère avec un bol de céréales vertes. Voilà, super sympa. Alors une figurine assez ancienne. Mais en fait, au final, j'ai craqué, je l'ai acheté. C'est Carl, de là-haut. Et en fait, je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas dans ma collection. Parce qu'en fait, il est super bien réalisé. Alors là, on va voir, c'est des anciennes figurines. Ouais, des anciennes figurines Disney. Alors, je trouve bien réalisé. Ce que je pourrais dire, il a un peu le nez sale ou taché. Ouais, je ne l'avais pas vu en fait. Mais bon, rien de grave. Ah, c'est trop fort ici, regardez. Pour mieux entendre. J'adore sa canne avec les balles de tennis. Ouh, ça a l'air fragile ça par contre. Faut pas trop manipuler. Et ici, on a la petite épingle. J'adore son costume. Puis j'adore aussi son expression qui fait un peu la tête. C'est vraiment une tête particulière, voilà. Donc je devais l'avoir celui-là, je trouve, il est trop sympa. Alors Max Rebo m'a acheté pour mon anniversaire une figurine Funko Pop Toy Story Pixar. C'est la 169e édition 20 ans. Et dans cette collection, nous avons aussi Woody. On a aussi Bayonne et Rex. Bah je le trouve super beau, franchement, ouais. Bon, la tête, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a le petit menton qui est fait, mais sinon voilà, il n'y a pas grand chose, on n'a pas le nez apparent comme Carl par exemple. C'est super détaillé au niveau de son costume avec ici les ailes et le devant. Voilà. Alors, les monstres et compagnie, on a des nouvelles. Alors j'ai eu du mal à trouver. Alors, je vous montre déjà celui, voilà. Sullivan, magnifique, énorme coup de cœur, 385. Et regardez à l'arrière les 4 qui sont sortis. Alors, il me semble, si je me trompe pas, il y a une version exclusive de Sully en version floquée, mais je l'ai pas trouvé en magasin. Alors, waouh, regardez-moi ça, il est juste parfait, je trouve. Oh, ouais, la finition, aucun défaut. Apparent, ouais, il n'y a aucun défaut et j'adore sa tête, son expression. Je vous montre de plus près. Regardez les petites cornes, les petites taches à l'arrière. Voilà, franchement, il est bien fait, je trouve. On le reconnaît bien, ce personnage. Voilà, j'adore le design. Alors, dans la même collection, j'ai pris le bout. Mais j'ai eu du mal, c'était la dernière. Je l'ai vu que dans un seul magasin, c'est Grand Cercle. Par contre, je vous mets tous les liens sur Amazon, vous pouvez les trouver facilement. Ça peut vous faciliter la tâche si vous voulez regrouper tous vos achats.
bon, peut-être que vous préférez payer un peu moins cher. Donc je vous mets tous les liens. Enfin, j'essaie de vous mettre tous les liens. Peut-être qu'il n'y aura pas tout. Bah là même la peluche de Bob. Alors, son visage est bien fait, je trouve. On a un petit nez, on a une petite bouche. Voilà, ça change des autres pops, c'est pour ça que je la trouve vraiment attendrissante. J'aime bien sa coiffure. J'adore sa petite pose avec la peluche dans les bras. Voilà, c'est vraiment trop cute. Ouais, énorme coup de cœur. Je comprends pourquoi elle part vite et pourquoi elle est en rupture de stock dans beaucoup de magasins. Puis à côté, regardez ce que ça fait. Oh, ça fait trop bien. J'ai pas pris toutes. Hein. J'ai pris aussi rose en anglais et en français. C'est Germaine. Voilà, voilà. Et celle-ci est super bien faite. Enfin, elles sont toutes bien faites. Vous allez voir pourquoi. Il y a vraiment beaucoup de détails. Alors, de loin, je trouve que c'est la plus détaillée des trois, je trouve. Ouais. Waouh, elle est vraiment hyper détaillée, celle-ci, parmi les trois. Je pense que, ouais, avec rien que les lunettes et la petite chaîne, là, à l'arrière, la coiffure, j'adore. Parce que regardez, il y a un carreau, enfin en plastique, mais bon. Alors, son expression est géniale aussi. Elle tient un crayon. Et là, je vais vous montrer... Ah ouais, c'est même là, c'est un autocollant. Il y a le souci du détail. Là, il y a le petit logo. Et je trouve que le rendu de son pull fait très réaliste. Alors, même le dessous. Voilà. Bah, franchement, elle est trop marrante. Je vais passer à une figurine que vous étiez très nombreux sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à vouloir la voir en vidéo. C'est celle-ci. C'est la Diamond de Stitch exclusive. Alors, je l'avais vue assez chère et au final, je l'ai trouvée à 25. Voilà, donc c'est pas hyper cher, 25, par rapport à d'autres boutiques où elle était à 35, il me semble. J'avais pas de Stitch en figurine pop, donc là, c'est génial. Alors, les paillettes, elles vont un peu sur les mains quand même. Donc, il faut pas trop le manipuler. Ah, mais il est beau, hein. Waouh. Ça fait un peu diamant, ouais, bah diamond. C'est trop trop beau. Moi je le vois bien sur un socle tournant, comme ça. Avec des lumières pour faire bien briller. Voilà, une mise au point. Comme ça vous pouvez l'admirer, c'est un petit bijou. Ouais, il est classe. Il est vraiment très très beau. Alors, dans Disney, on va passer maintenant à l'univers de Kingdom Hearts. Et ce sont des exclusives, attention, et pas n'importe lesquelles, ce sont les Halloween Town Sora. Ça correspond à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Donc, je suis super fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack, je suis fan de Kingdom Hearts, et je suis fan de Disney. Donc, ça réunit beaucoup de choses. J'adore cette tenue dans le jeu vidéo, je la trouve vraiment très très belle. Alors regardez-moi le petit masque ici, très sympatoche. Ici le maquillage sombre autour de l'œil, ça fait classe. Et son costume est juste sublime, magnifique, très détaillé, la perfection. Waouh, ça j'aimerais bien faire un cosplay de cette tenue. J'ai pris aussi Dingo, donc toujours une exclusive, toujours le même thème. Voilà, donc là, on voit la série normale, hein, Kingdom Hearts. Je vous ai pas montré un petit comparatif, parce qu'on n'a pas les mêmes personnages hein, à l'arrière, regardez. Donc le Halloween Goofy. Alors lui, il a pas de socle, il tient debout, très bien. Je vous montre une petite vue. Alors lui aussi, il est hyper détaillé. Et bien, regardez les yeux, un œil rouge, un œil noir qui fait un peu une spirale. Le nez. J'adore. Il a une petite citrouille au bout du nez. C'est particulier, mais c'est très marrant. J'adore aussi la forme de ses oreilles. Les vêtements aussi sont très classe. Voilà. Les chaussures, regardez, c'est ouvert sur le devant. Allez, on continue encore dans l'univers de Jack avec une figurine exclusive. Donc on n'est plus dans Kingdom Hearts. Hein. Par contre, j'ai pris Sally version Dapper. C'est une figurine que je voulais depuis assez longtemps.
Et je vous montre l'arrière, elle coûte 17,90 en boutique. Mais vous pouvez la trouver sur Amazon, je pense que je vous mettrai le lien. Waouh! Regardez le petit serre-tête ici, enfin le bandeau plutôt je dirais. Et ici, on a des plumes avec une fleur. Elle tient un bouquet de fleurs aussi. Alors la robe est magnifique, hein. Elle est très très détaillée. Regardez les petites chaussures. J'adore les couleurs. Voilà, elle est trop mimi. J'ai déjà une Sally, je vous l'ai déjà présentée, donc une version classique. Celle-là, je la trouve vraiment magnifique, très très belle. Allez, on continue encore dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, sont sortis Amsterdam. Donc, le 406. Donc, avec les versions, c'est les versions masques, avec leur masque. Et celles-ci, je les ai reçues par Amazon. Elles étaient qu'à 8€. Je vous mets les liens. Quand les boîtes sont un peu abîmées, mais bon, si vous tenez pas aux boîtes, vous pouvez commander. Mais quelquefois, c'est bien emballé. Hein. Moi, c'est mon facteur qui m'a destroy le colis. C'est pas la première fois. Il tient debout. Ouais, il tient debout. Alors, une petite vue d'ensemble. Ah oui, il croise les doigts parce qu'il ment, bien entendu. Il fait super peur. Enfin, c'est pas encore les figurines Funko Pop qui font super peur, mais je vous préviendrai, vous inquiétez pas. Il a son petit lance-pierre. Et il a la queue de diable. Voilà, il est tout en rouge. Ouais, il est vraiment trop trop classe. Oh là là, je l'adore. Choc en anglais. La 407. La boîte aussi était abîmée. Il y en a une seule qui avait bien survécu, vous allez voir, c'est la dernière. Alors les figurines ne sont pas abîmées, donc ça va. Ah, elle a un socle. Alors... elle tient pas des masses. Elle tient pas des masses. Donc heureusement que je l'expose pas parce que ça tient pas. Ok. Bah pourtant elle n'est pas cassée, mais voilà, ça tient pas. Donc je vais vous la présenter comme cela. Ne vous inquiétez pas, vous allez la voir en détail. Donc voilà le masque, les cheveux, le chapeau de sorcière et le lance-pierre. On s'amuse bien sur ma chaîne. On va la mettre là. Le dernier, c'est mon préféré. C'est Barrel en anglais 408. Ouais, je pense que c'est mon préféré. En plus, la boîte est nickel. Elle a pas pris le choc. Voilà, le coup de poing allait pour les deux autres, hein, je pense. Alors, une petite vue d'ensemble. Alors, lui, c'est le squelette. Et j'adore. Je sais pas, les yeux, ça ressort vachement bien avec le petit contour violet, là. Il a sa sucette et son petit vêtement avec les côtes, les os. Voilà. Et je trouve que son visage ressort beaucoup plus que les deux autres parce qu'il est brillant. Voilà. Alors, pour l'univers Disney, c'est pas terminé. Voilà, le dernier set, c'est Aladdin First Wish. Le premier vœu d'Aladdin, la 409. Je l'ai eu sur Amazon à 19€. Je vous mettrai le lien, j'espère qu'il y en a encore. Peut-être quand vous allez cliquer, il n'y en aura plus à ce prix-là. Mais essayez, tentez. Elle reviendra peut-être à 19€. Et on va voir si elle n'est pas abîmée pour le prix. Mais il me semble que non. Voilà, très sympa les rideaux. Et la scène. Oh, on va regarder de plus près s'il y a beaucoup de défauts. Comme cela, à part des taches sur le génie, après on le voit pas trop, hein. C'est discret, des petites taches. Peut-être de la poussière, ça peut se tirer, on voit pas trop. J'adore le pupitre, je vous montre. Regardez avec le petit portrait du génie, en présentateur. Aladdin en prince est magnifique. J'ai déjà un Aladdin version normale. Et regardez, là, je trouve ça trop beau, c'est brillant, avec la plume. Mais il est trop trop beau. Et j'adore le génie aussi. Et la scène. Voilà, c'est une très belle pièce de collection. Je l'aurais pas prise à 40€ hein, dans les boutiques. Hein, parce que c'est souvent 35-40€. Mais 19€, c'est presque le prix d'une figurine. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Voilà. Donc, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est mon préféré. Enfin, c'est ma pièce préférée d'aujourd'hui.
pour Disney. On va le mettre ici. On continue. Alors, je vous préviens, ça devient un peu plus dégueu. Ça va être les crados. Alors, si vous aimez pas les crados, vous pouvez arrêter là si vous aimez pas l'horreur, parce qu'après, ça sera de l'horreur. Voilà. Après, les crados, c'est encore dans l'univers un petit peu enfant, rigolo, mais un peu plus dégoûtant. Alors, sont sortis les crados. J'étais trop content parce que moi, j'ai fait les Mystery Minis Funko. J'ai fait les deux séries, donc que vous pouvez voir sur ma chaîne les ouvertures. J'ai pris, bien entendu, Adam Bomb. Alors, lui, c'est mon gros coup de cœur. Hein. Il est trop, trop cute. Et alors, il tient bien, sans socle. Alors, dans les Mystery Mini, vous pouvez retirer cette partie parce qu'en fait, ils étaient obligés, comme les boîtes sont petites. Et vous pouvez retirer la télécommande. Mais là, vous pouvez rien retirer. C'est une Funko Pop. C'est normal. Voilà, l'éruption est très bien faite. Au niveau des couleurs, regardez. C'est très très joli. J'adore sa bouille. Je la trouve encore plus mignonne que les Mystery Minis. Ouais, c'est très détaillé. Regardez le petit nez, la petite bouche. Et le costume avec le vent dans la cravate. Qu'est-ce que c'est classe! Vous mettrez en commentaire votre préféré des crados. Hein. Donc en anglais, c'est pas les crados, c'est Garbage Pail Kids. Et là, j'ai pris, alors je dis en anglais parce que je me rappelle pas des noms français, c'est Ghastly Ashley, donc Ashley. Voilà, la 02. Ça se trouve, ils vont en faire plein d'autres. Donc une petite vue d'ensemble, vous l'avez compris, elle, c'est l'acné. Hein. Et l'appareil dentaire, les grosses lunettes. Il n'y a pas de carreaux, hein, par contre, pour celle-ci. C'est très détaillé, hein, c'est un peu répugnant. C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus glauque, un peu plus dégueu. Les cheveux sont très bien faits, j'aime bien. Ça fait vraiment les anciennes poupées de l'époque. Vous savez, hein, cette matière. Et la petite robe de chambre, chemise de nuit, je sais pas comment vous appelez ça. Hop, voilà, les petites chaussures blanches, pantoufles. Voilà. Allez, maintenant la troisième. Il s'agit de Clark Kent. C'est un jeu de mots. Clark Kent. Clark ne peut pas. Alors celui-là, il est trop drôle aussi. Encore de l'acné, de la bave. Alors, je vous montre un petit peu une vue d'ensemble de la figurine. Les cheveux sont super bien faits. Hein. Alors regardez, imaginez ça. Voilà, il est marrant. Il y a aussi des lunettes, de la baffe, un pansement, de l'acné, un petit bidou, voilà. Et il y a le logo Garbage Pail Kids en version super héros ou super zéro. Voilà, il est trop marrant. On va passer à la quatrième, il s'agit de Beastie Boyd. Un jeu de mots avec les Beastie Boys, le groupe. Il tient debout, c'est bien. Alors lui, c'est un mi-mutant, mi-monstre. Voilà, il fait assez peur. Alors je vous le montre de plus près. Regardez le détail ici, il y a une goutte de salive sur la langue. De la morve jaune qui sort du nez. Un œil qui ressort ici au niveau du front. Je crois que c'est le plus dégueu de tous. Voilà, il y a même de la bave ici sur son t-shirt. Il se transforme en monstre, mais juste la moitié avec la corne. C'est assez effrayant, regardez, là. Hop, ça fait un peu comme la mouche, le film. Et là, en version normale, il est plus mimi. Bon, pour les personnes qui ont une âme sensible ou qui ont peur facilement, bah, je pense qu'il est préférable de ne pas regarder les deux prochaines figurines Funko Pop, parce que c'est un peu plus glauque. Voilà, on arrive dans les films d'horreur. Voilà, j'ai prévenu. Alors, avec la figurine numéro 346, c'est la reine Alien, Alien Queen. Il me semble que c'est du deuxième film, ouais, Aliens. Donc, il faut savoir que Alien, j'adore les films, j'adore l'actrice Sigourney Weaver, Ripley, son personnage. Et bon, Hélène Ripley, je l'ai pas, parce que je voudrais la trouver, mais pas trop cher, pas à 15€, voilà, je la prendrai peut-être plus tard. Et la reine, 26€, ça va hein, pour la taille, vous allez voir. Elle est très 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 bien faite, j'adore. Voilà. Donc, je sais pas quoi dire d'autre, elle est juste parfaite, hein, cette reine-mère. Elle fait assez peur, hein, comme je vous ai prévenu, elle fait peur. Voilà, c'est très détaillé. Donc, mettez-moi en commentaire hein, si vous aimez les films, quel est votre préféré. Moi, c'est le deuxième, mon préféré. Regardez les deux petites pattes ici. Ça, c'est trop classe.
Voilà. Une belle bête. Voilà, bête. Non, tombe pas. On termine par la figurine la plus effrayante pour vous, je pense. Alors, les gens qui ont peur des clowns, partez. partez, parce que déjà, c'est un clown, mais en plus, il est hyper horrible. C'est Pennywise. Je continue parce que je suis super fan de Pennywise. Du film Hit, ça, et c'est le numéro 542 avec des pattes d'araignées qui ressortent. Donc, moi, j'ai la phobie des araignées, mais bon, là, ça passe. Parce que ça ressemble pas trop à une araignée. Voilà. Donc, je vous montre la collection. J'ai pas acheté les autres. Donc, avec les enfants. Je voulais prendre Georgie, mais je l'ai pas pris. Ouais, je le prendrai peut-être en pas cher. Peut-être sur Amazon. Par contre, lui, je l'ai acheté sur Amazon. Vraiment pas cher. À 8 euros. Donc, je vous mets le lien. J'espère qu'il en restera si vous le voulez à ce prix-là. Et il a l'air parfait, pas de défaut. Allez, une petite vue d'ensemble. Il fait très peur, mais il tient pas bien debout. Il n'y a pas de socle, mince. Ouais, donc voilà. Ça, c'est les petits défauts. Je sais pas si c'est pour tous les modèles. Et regardez, il tient pas. Il tient pas du tout. Alors, peut-être bouger la tête. Non. Non, il tient pas. Donc, si vous l'exposez, peut-être de la pâte à fixe, si vous avez un modèle un peu comme le mien. Bon, je vais vous montrer de plus près. De toute façon, moi, ça reste dans la boîte, hein, ça s'abîme pas, ça prend pas la poussière. Bon, il fait hyper peur, le visage, je vais pas mentir. Voilà, mais moi, j'aime tellement Pennywise que j'essaye d'acheter toutes les figurines à des prix abordables. Alors, les pattes sont très, très dégueu, ouais. C'est vrai. On a l'impression que ça brille, ça, dans le noir, les dents et le col. Mais je pense pas. Non, je pense pas. Parce que c'était une version normale. Voilà, donc son costume toujours aussi bien fait. Et vous allez mettre en commentaire quel est votre préféré Pennywise dans les figurines Funko Pop. Voilà, celui-là, c'est pas mon préféré, mais il est bien glauque. Alors, vous allez mettre en commentaire votre figurine préférée parmi les 20. Il me semble que j'en ai 20 ou 21. Je sais plus. Je vous les montre de plus près, hein, un petit récap. Il y en a des très très belles. Ah, le Stitch, il brille bien. Il y a beaucoup d'étranges Noël de Monsieur Jack, hein, là. Voilà, on arrive à la fin. Moi, si je devais choisir, j'hésite, mais je pense que c'est la scène Aladdin et le génie. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'encourage énormément pour faire d'autres vidéos Funko Pop. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux pour voir les photos en détail. Activez la petite cloche aussi si vous voulez être au courant des prochaines vidéos parce qu'on n'est pas systématiquement prévenu sur YouTube. Et moi, je vous retrouve prochainement, donc ce serait en septembre pour une nouvelle vidéo haul Funko Pop. Et je pense qu'il y en aura pas mal encore. Merci d'avoir regardé, à bientôt.